Vous ne pouvez pas libérer Mansour. Si un juge décide que la façon de travailler de votre service rend vos preuves irrecevables par le tribunal... Non, eh bien... pas de ça, Charles. C'est vous qui êtes le conseiller juridique de Downing Street. J'avais relu tous les éléments avec vous dans les moindres détails. Et vous, vous m'aviez assuré qu'ils étaient recevables. Inutile de dire que le Premier ministre est très ennuyé par cette situation. Ou par votre version de celle-ci. Il semblerait que votre section ait besoin d'un vrai superviseur pour vérifier que vous mettez les points sur les i et les barres aux t, monsieur Pierce. Qu'est-ce que je gagne si je devine qui sera ce nouveau superviseur? Je n'en suis pas plus heureux que vous. Ça, j'en doute fort. Je veux une copie des documents que vous envoyez à l'intérieur et au comité conjoint jusqu'à nouvel ordre. Donc, une figure clé du terrorisme islamique sortira libre du tribunal demain matin et nous allons contrer ses plans d'attentat dans notre pays avec un surcroît de paperasserie. Ce n'est pas moi l'ennemi, Harry. Non, avec des amis tels que vous. Si vous saviez apprécier des amis tels que moi, j'imagine que votre chemin dans la vie connaîtrait moins d'obstacles. Le procès de M. Mansour constituait un test essentiel pour le gouvernement quant à sa nouvelle législation antiterroriste. Mais dans ce qui apparaît d'ores et déjà comme un coup important porté au gouvernement, le juge a déclaré qu'une vidéo présentée comme élément à charge contre M. Mansour était irrecevable par la cour. Le juge s'est dit dans l'obligation de prononcer un non-lieu. Et en même temps, il met le peuple britannique en grand danger. Londres, Leeds, Bradford, Birmingham, Manchester ont tous relevé leur niveau d'alerte. Ils ont ouvert la cour royale de justice où M. Mansour ne devrait pas tarder à faire une déclaration directe. Ce gouvernement veut trancher la tête de tout le peuple musulman. Il veut chasser tous nos leaders présents dans ce pays et nous plier à leur volonté. Et aujourd'hui, nous leur avons montré qu'on refuse de se soumettre à une société défaillante, immorale et corrompue. C'est la volonté d'Allah que nos fils puissent atteindre l'âge d'or en vivant dans le respect de la charia, même ici en Grande-Bretagne. Mort aux ennemis du Christ! Dites-moi qu'on y est pour rien.